malheureux qui ont fui Vélène ? Loup blanc, bienvenue au Passiflore. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas. Salutations. Te bile pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Ah, il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et deux Alflins. Le sacré numéro, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour... Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendu. Par ici, je te prie. Par ici, monte. Gérald le sorceleur, montez. Le chef vous attend. Ah, Gérald, te voilà. Bien. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre? La moitié de la ville en rêve, non? Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falca a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Tu te compares à Falca? La même Falca qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde. Voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas, je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tant que Radovid vivra, Triss et Yen ne seront jamais en sécurité. Oui, c'est peu de le dire. Je suis heureux de voir que tu as fini par entendre raison. Bien, passons aux choses sérieuses. Tu connais mon associé, je crois. Roche, qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espions à la retraite. Tu défendais un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un? Pas de gaieté de cœur, mais... je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Vizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Temeria soit libre, Radovid doit mourir. Je ne comprends pas. Radovid est l'allié de la Temeria, non? Oui, tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant les frontières. Il rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Temeria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovid est une menace pour Triss et Yennefer, ne l'oublie pas. Très bien. Qu'attendez-vous de moi? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier? Hein? Vous pouvez m'en dire plus? Où a-t-il été vu pour la dernière fois? C'est un cordonnier itinérant, ou plutôt c'est sa couverture. Il devait traverser le pontard en passant par le point de contrôle rédanien. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Vous avez enrôlé un soldat rédanien dans votre complot pour assassiner le roi de Rédania.
Qu'est-ce que je te disais? Même les Rédaniens ne supportent plus la politique de Radovid. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. D'accord, je vais aller voir ce Grégor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Compris. Je vais essayer de ne pas tout faire foirer. À plus tard. On compte sur toi, Gérald. Quelqu'un t'a vu entrer ici? Personne, à part la marquise Sérénité et ton larbin. Quelqu'un dans la rue, je veux dire. Non, personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en dit? Je ne suis pas nerveux, seulement prudent. Qualité que tu devrais développer. Je suis prudent. J'ai fait des tours et des détours pour vérifier que je n'étais pas sûr. Je travaille dans le renseignement depuis aussi longtemps que toi. Gardez le sens. Allez, U. Moins vite. Je cherche Grégor. Vous l'avez trouvé. Qui êtes-vous? Gérald de Rive. C'est Dijkstra qui m'envoie. Je vois. Alors, suivez-moi. Halt. Charmant comme décoration. Ordre de notre miséricordieux souverain. Le bon roi Radovid. Tirez. Quel crime ont-ils commis? Sur la droite, c'est un chaman du village voisin. Il a donné un mauvais conseil de trop et quelqu'un l'a dénoncé. Un voisin avait une dent contre celui de gauche. Il a accusé de sorcellerie. Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine.
Radovid n'est pour rien dans tout ça. Ah oui, vraiment. Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces pauvres bougres pour les punir de ces crimes? Vous savez sûrement pourquoi je suis là. C'est à propos de notre ami cordonnier, j'imagine. Il est passé par ici, oui. Mais il n'est jamais revenu. Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route. Je serais bien allé y jeter un œil, mais je n'ai pas pu m'éclipser. Merci. Je vais aller voir ça. Adieu. Attendez. Vous avez un laissez-passer? Sans ça, vous ne pourrez pas revenir. Oui, j'en ai un. Parfait. Dans ce cas, bonne chance. Merci. À plus tard. Halt. Un pas de plus et on tire. Qui va protéger les pauvres des assassins, hein? Je vous le demande. Le chariot a l'air intact. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverai peut-être quelque chose. Des signes de lutte. Quelqu'un a été assommé ici, puis traîné au sol. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste.
reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour. Son successeur parti. Chaussure choisie, Rogue. Je vois ça. Je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici. Chaussures poussées ici. Comme Champi Pi. Pi. Les chaussures ne poussent pas comme des champignons. Dis-moi la vérité. Rogue pas dire. Sinon Hog et Pog colère. Hog et Pog, ce sont tes amis ? Hog, Pog. Grand trouveur. Trouvez hommes dans chariot. Beaucoup chaussures. Je vois. Et qu'ont-ils fait de cet homme ? Hog, Pog, hommes dans caverne. Là-bas. Vous l'avez mangé ? Non, hommes pas bons. Pas viande, plein d'os. Bouard. Hog, fer, hommes, chaussures, fer. Pour Hog, Pog et Rob. Au revoir. Il doit y avoir un troll des cavernes dans le coin.
J'aurais dû m'en douter. Qui d'autre aurait pu apprendre des jurons à des trolls ? Gérald. Eh ben ça alors, ça fait un putain de bail. Zomki ? Du calme, Hog. Ce bougre est un vieil ami à moi. Ami bougre partir. Ou jeter dans la zouplette. Je suis un peu trop coriace, je crois. Beaucoup trop coriace, c'est vrai. Regardez-le. Ce bâtard n'a que la peau sur les os. Eh bien, mes amis trolls, il est temps pour moi de partir. Et entraînez-vous bien. Je vous ferai passer un vrai examen à mon retour. Dollar, pas partir. Dollar, poser cul par terre. Dollar, connard, faire chaussure. Bon, écoutez, Tolar doit venir avec moi. Tolar, pas bouger. Tolar, faire putain chaussure. J'ai besoin de lui. Tolar, restez. Toi, chaussure. Hog, pas chaussure. Rogue, pas chaussure. Pog, pas chaussure. Troll, chaussure. Tolar, au revoir. Calme, du calme. Ça ne sera pas long. Tolar doit juste m'aider à trouver du cuir pour vos chaussures. Gérald, dis la vérité. J'ai besoin de cuir. Regardez vos pieds, bordel. On dirait des putains de péniches. Va me falloir une chier de cuir pour vous faire des chaussures, pigé ? Moi et Gérald, on va aller chercher du cuir. Et ensuite, je reviendrai pour vous les fabriquer, vos grolles de merde. Grolles merde ? Pour Pog ? Et pour Rock ? Deux belles paires pour aller avec vos têtes de nœuds. Dollar, au revoir. Mais vite, reviens ! Vous êtes de bons bougres, tout compte fait. Attendez-moi ici, ce sera pas long. Les enfants ne sont pas des trolls, et inversement. De toute façon, les sorceleurs sont stériles. T'as pas changé à ce que je vois. Toujours le même bout en train. Tu es passé dans le coin ou on t'a envoyé à la rescousse ? Roche et Dijkstra m'envoient. Pas oublié alors. Ça me réchauffe le cœur. Non mais sans deck, je suis content que tu m'aies sorti de là, Gérald. Imagine que tu ne manques pas de travail avec tous ces monstres à liquider. Oui. Et il paraît que vous aussi, vous faites dans la liquidation. Quoi ? Ils t'ont dit ça ? Quelle bande d'amateurs. Ils ne sont pas entrés dans les détails. Tu pourrais m'en dire plus peut-être, en signe de gratitude. Désolé, l'ami. T'ont rien dit, c'est pas à moi de te tuyauter. D'accord. Comme tu voudras. Comment as-tu atterri ici, d'abord ? Le pays est sous la coupe du Nilfgaard, à présent. Et tu penses que les escadrons noirs n'ont pas besoin de cordonniers ? Ils doivent avoir les leurs, j'imagine. Bon, les amateurs merdiques en uniforme, ouais. Dalar est le meilleur cordonnier du Nord, tout le monde te le dira. C'est ça, oui. Quoi ? Tu doutes de moi ? Tu es un espion, et tu es de mèche avec Roche et Dijkstra. Ça m'étonnerait que tu sois ici pour réparer les bottes des Nilfgaardiens. T'as étudié la question, à ce que je vois. Ok, c'est vrai, c'est une couverture. Personne s'intéresse à un cordonnier, tu piges ? Et pendant que tu répares leurs semelles, les clients ont tendance à discuter. Merci encore, Gérald. Ça va aller maintenant. Compte sur moi pour raconter à Roche et à Dijkstra comment t'as roulé Hog et ses compères dans la farine. Je te parie qu'ils vont en chier dans leur froc.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Je vais rentrer à Novigrad, pardi. Dijkstra, Roche et moi, on a de grands projets. Tu ne veux vraiment pas m'en dire plus? Désolé, mon pote. Motus et bouche cousue. Si ça ne tenait qu'à moi, je te cracherai le morceau. Je sais qu'on peut te faire confiance. Mais je suis pas tout seul dans le coup, tu comprends? Alors je dois fermer ma gueule. Très bien. Je comprends. Tu veux bien m'expliquer comment tu es passé de receleur à cordonnier? Je fais dans le respectable. Receleur, c'était une couverture de merde. Je me suis foutu trop de monde à dos. Fallait faire profil bas. J'ai pensé à devenir aubergiste un moment. On rencontre pas mal de monde, on discute de tout et de rien. Le problème, c'est qu'on est enchaîné à son auberge comme un kleps à son piquet. Alors qu'un cordonnier, c'est toujours sur la route. Tout juste. Je suis pas peu fier de ma petite roulotte. Très coquet. Tu peux le dire. Et j'ai gagné une petite fortune depuis le début de la guerre. Ces crétins en uniforme passent leur temps à marcher. Et quand leurs bottes à la con commencent à tomber en lambeaux, ils ont les panards en sang. Tu peux me croire. Un soldat en campagne vendrait père et mère pour une bonne paire de bottes. Au revoir, Talar. Et bonne chance. Ouais, je vais en avoir besoin. Radovid est plus malin qu'une pute qui a la chaude pisse. Mais on finira bien par le trousser. Bientôt, tout le Nord parlera de comment le grand Radovid s'est fait défoncer le pot. Oui. J'espère qu'il ne parlera pas de trois assassins tenaillés et écartelés. T'en fais pas pour nous, Gérald. On sait ce qu'on fait. Adieu.